image. Et il nous aime beaucoup. Tu es favorable à l'Éternel et tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Même si dans les temps nous avons beaucoup de calamités, mais l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Si même une maman peut abandonner son enfant, mais moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Il nous soutiendra, parce que le plan qu'il a monté pour notre vie, c'est le plan de bonheur et de paix, pour que nous puissions mener un avenir de l'espérance. Malgré que le diable est tenté de nous faire la guerre, la Bible nous dit que nous te ferons la guerre. La bataille est à notre main, mais la victoire appartient à l'Éternel. Bien aimé, il exerce notre droit à la bataille. Il exerce notre droit à la bataille. Mais celle qui donne la victoire, c'est l'Éternel notre Dieu. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur l'a décidé. Bien aimé, ce n'est pas ce que nous pensons, ce qui va être grand par rapport à l'Éternel. L'Éternel est plus grand que notre petite pensée. La Bible dit, qu'est-ce qui peut étonner l'Éternel? Est-ce que c'est lorsque on va grandir la Bukavu, il y aura beaucoup de maisons que ça peut étonner l'Éternel? Mais Turquie a été inondée. Ça, c'était l'ancienne Éphèse. Bien aimé, à cause du manque de respect de l'alliance, Éphésiens 2 nous dit, si tu ne gardes pas le chandelier, j'enterrai le chandelier parce que tu as perdu le premier amour. Parce que tu as perdu le premier amour. Bien aimé, je vais enlever le chandelier. C'est comme ça qu'il avait enlevé le chandelier. Aujourd'hui, là, en Turquie, qui était l'ancienne église, aujourd'hui, on a placé une mosquée là. Mais si tu ne sais pas conserver la lampe, l'Éternel enlevera sa parole dans ta vie et tu resteras incapable. Et la gloire de Dieu sera bannie. Il faut que la lampe de l'Éternel s'allume dans ta vie. C'était la mission des sacrificateurs dans le tabernacle. Il faut que la lampe puisse s'allumer, ça c'était. C'est comme ça qu'ils avaient les trous de rôle dans le tabernacle. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Si nous ne conservons pas les commandements de l'Éternel, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, Dieu enlèvera les chandeliers. Ce qui éclairait notre vie, ce qui faisait le charme de notre vie, sera enlevé. Le diable aura accès dans notre vie. Mais ce n'est pas ça la volonté de l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est que tu restes, c'est que tu demeures, c'est que tu sois debout. C'est comme ça que Paul vient. Il dit, l'enseignement que je t'ai donné, si tu gardes ça, ça sauvera ton âme et ça donnera le salut à ceux qui t'écoutent. Mais la parole de Dieu que nous avons amène le salut dans notre cœur, amène la paix dans notre cœur, non seulement à nous, parce que nous avons senti la paix. Et lorsque nous disons aux autres les témoignages de Dieu, nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause encore de quoi? De la parole de leurs témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire quelque chose qu'il faut maintenir dans la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas facile. N'est pas facile. Mais la foi chrétienne n'est pas impossible. Car avec Dieu, nous ferons les exploits. C'est même avec Dieu. Pas par toi-même. Si tu laisses Dieu,
n'accomplira jamais les exploits. Seulement c'est avec Dieu que nous pouvons faire les exploits. Non seulement les exploits, il écrasera nos ennemis. Il va écraser tes ennemis. Cela ne dépendra pas de toi. Dépendra de celui qui s'occupe de toi. Parce qu'il est jaloux de toi. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler ici de l'alliance. L'alliance est un enseignement purement profond. Et c'est l'enseignement qui est la base de notre foi chrétienne. Parce que cela est fondé dans le sang. Car nous savons que dans toutes les péripéties de Dieu à la recherche de l'homme, l'apôtre Paul dit aux Hébreux que Jésus-Christ est le garant de la nouvelle alliance. Le garant de toutes les alliances. C'est l'éternel notre Dieu. Dans les temps anciens, bien-aimé, il n'a pas agi par lui-même. Il utilisait les animaux. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans le sang des animaux, la Bible dit, dans le sang des animaux, il y a l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le sang des animaux, il y a l'âme. C'est comme ça qu'on disait, si quelqu'un tue l'animal à cette époque, il ne boira pas du sang. Parce qu'il y avait la mission de l'expiation à travers le sang. Parce que le sang marche avec l'âme. L'âme, c'est ça l'identité de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui-même est descendu à travers Jésus. Isaïe 35, 4 nous dit, il dit, je n'enverrai personne, car je descendrai moi-même pour le sauver. Bien aimé dans le Seigneur, quand il est venu, nous l'avons vu à Gethsémané. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'était le mouvement du sang, les émotions du sang qui troublaient son âme. Parce que le sang devait couler pour l'humanité. Que le Seigneur te fasse grâce. Parce que le sang devait couler pour l'humanité. Dans le sang, il y a l'âme. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il devait verser le sang. Pour que le sang de Jésus, qui conserve l'âme et a un esprit éternel, puisse racheter les âmes perdues dans la maison de l'Éternel. Et dans le monde entier. Afin qu'un jour nous puissions nous retrouver à l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous renouvelle sa confiance. Que le Seigneur nous donne sa confiance. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. L'Alliance est venue pour te donner le temps de faire les choix. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on aimerait l'un, et soit on aimera l'autre. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas droit de servir deux maîtres à la fois. Il faut faire l'alliance à servir un seul Dieu. Et marcher dans la crainte de l'Éternel. Si nous sommes en train de t'interpeller, c'est pour te montrer que Dieu, quand il donne sa parole dans ta vie, c'est un ensemble de promesses. Et ces promesses sont constituées à une bénédiction. C'est à travers ces promesses-là. Quand la Bible dit, heureux les peuples qui sont devant la face de l'Éternel. C'est à travers ces choix que Dieu fait luire sa face. Et quand Dieu fait luire sa face sur toi, même s'il y avait les ténèbres, même s'il y avait l'ignorance, même s'il y avait la maladie, tu auras la solution à ton problème. Tu auras la solution. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons les traités de l'alliance. Beaucoup de gens ne respectent pas l'alliance de Dieu. Comme la Bible dit, dans le temps de la fin, beaucoup de traités de l'alliance seront.
Parce qu'ils se verront des faux prophètes, des faux docteurs et des faux apôtres qui prêcheront des choses de séduction. Et ils gagneront beaucoup de gens. Et la Bible dit ceci. L'Esprit dit expressément. Au temps de la fin, il y aura un esprit séducteur qui va enseigner les gens la doctrine des démons. Alléluia. Amen. Les démons. Ma peuple. Beaucoup de démoniaques marchent maintenant. Kuna mapepo mingi wa kitembea. Et la promotion de la coutume, de la magie, de la sorcellerie entre même dans l'église. Na yo mazinga umu uchawi na kwenye kana hata kanisani. Mais Dieu appelle le peuple au rassemblement. Lakini Mungu anaita taifa lake. Il dit je convoque dans Psaume 55. Katika Zaburi anasema ninawaita nikusanyishe. Je convoque une assemblée. Na kusanyisha watu. Je demande à mes fidèles de s'assembler. Depuis le soleil levant, c'est les Juifs. Jusqu'au soleil couchant, c'est les nations. Na huko magharibi kwa mataifa. Ceux qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Wale walifanya agano nami wakuje. Bien aimé, le mercredi nous avions dit. Ce qui est tu lisema. Lorsque Dieu a conçu l'idée de l'alliance. Wakati Mungu alileta hiyo hiyo atisi ya agano. Dieu. Ndugu mpendwa Mungu. Comme nous avions dit. L'alliance est fondée par deux piliers. Kama tunasema agano inakuwa na nguzo mbili. Bien aimé, il y a la justice. Kuna kuwa hiyo haki. Dans le choix de la personne qui entrera dans l'alliance. Ambapo amechagua katika hiyo agano. Et l'amour. Na upendo. Que Dieu déverse sur la personne que lui veut sauver. Ambapo Mungu ameonyesha yule mtu ambaye anachagua uko. Parce qu'il ne tiendra pas compte de ton état. Kwa Mungu atangalia hali yako. Mais la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Bila tuambia kama upendo unafunika dhambi nyingi. Il va te justifier. Atawaki kutetea. Comme la Bible dit. Bila tuambia. À cela que Dieu a prédestiné. Wala mambo Mungu alikuwa akichagua. Il les a appelés. Amewaita. Après avoir appelé ces gens. Akishawaita. Il les a justifiés. Amewatetea. Non seulement les justifiés. Hapana kuwatetea tu. Il va les glorifier à l'enlèvement de l'église. Atawatukuza kwa uchio wake. Ils seront semblables à lui. Watamfanana. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bwana. Nous devons savoir que kama, lorsque Dieu te justifie, wakati mwana waki kutetea, comme nous avions dit, kama tukisema, Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Il t'a choisi parmi une génération perverse. Anakuchagua kwa wale tamaa katika upotevu. Mais avant que nous puissions arriver à parler de choses, kabla tuseme hiyo mambo, bien-aimé, il faut savoir une chose. Ndugu mpendwa, unajua kitu fulani. Nous allons aller molo molo, bon, à cause du temps nous allons chercher comment aller vite. Tutaenda pole pole mais kwa muda tutafika. Bien l'alliance, agano, agano la Bwana. Vraiment c'est un lien que Dieu veut que vous soyez avec lui. Inakuwa njia ambayo Bwana anapenda tukue pamoja naye. Il t'appelle à s'engager dans les clauses. Anakuita upate les obligations des deux parties. Upate kuingia katika hiyo shusi ya watu wawili. Il veut que tu puisses respecter dans les clauses les termes de votre engagement. Anapenda uheshimie hiyo shurti ambayo inawapatanisha wewe naye. Et si nous ne parlons pas des autres alliances. Na kama tuongee nyingine agano. Nous parlons d'une alliance éternelle. Tunaongea kwa ajili ya agano ya umilele. Parce que nous étions à l'éternité créés par Dieu. Kwa kuwa sisi tumekuwa milele tumeumbwa na Bwana. Dieu nous a envoyé dans le temps. Mungu ametoka kwenye wakati. Et il est venu nous chercher. Na akitutafuta. À travers l'alliance. Kupitia agano. Et il nous ramènera l'éternité à travers son alliance. Na ataturudisha tena katika umilele kupitia hiyo agano lake. Bien aimé, c'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur l'alliance. Ndio kama ndio tukifundisha kupitia kwa ajili ya agano. Ici. Na hapa. Nous savons que la personne qui nous a vendu au diable. Nous étions au diable à travers Adam. Parce qu'on lui avait donné l'alliance de cultiver, de garder le jardin. Mais il n'a pas obéi. Mais le plan de l'alliance était prédestiné par Dieu. Le plan de la rédemption était prédestiné déjà. Parce que la Bible nous dit le sang de Jésus, damu ya Yesu, la souffrance du Christ a été prédestinée avant la fondation du monde. 1 Pierre 1:19-20. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire dans le jardin il n'y avait pas l'alliance avec le sang. Dieu a donné sa loi.
Comme il dit à Israël, je mets la loi devant toi. Choisis ce qui est bien. Et tu auras le bien, la vie éternelle. Et si tu choisis ce qui est mauvais, le mal te poursuivra. Je mets l'arbre de connaissance du bien et du mal dans le jardin. Si tu vas manger à cet arbre, tu mourras. L'alliance a toujours un interdit pour protéger les clauses de l'engagement. C'est pourquoi Dieu peut t'excommunier quand tu ne respectes pas. C'est pourquoi l'église excommunie les gens. Quand vous ne respectez pas les clauses de l'alliance, c'est la parole de Dieu. Comme dit, celui qui ne marche pas droitement, on doit l'excommunier. On doit le sanctionner. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire une chose. L'alliance dans le jardin n'est pas comme soubassement le sang. C'était la parole de la loi. Il y a neno la sheria. Si tu manges, tu mourras. Mais le jour où Adam mangeait, mais si Adam, Adam la loi spirituelle est entrée, qui fait qu'il était privé de, du trône de grâce, il était excommunié. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu maintenant Baba Mungu doit exécuter le plan de l'alliance qu'il avait déjà prédestiné avant la fondation du monde. Il va prendre la peau d'un animal. C'est ça la Pâque d'Adam. Il va vêtir Adam l'habit pour couvrir sa nudité. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va couvrir sa nudité. Parce que maintenant, les paroles prophétiques que Dieu avait déjà préparé l'agneau avant la fondation du monde devait s'accomplir à travers la chute d'Adam. Et Dieu est venu racheter l'homme par le sang. Mais c'était le sang d'un animal qui n'avait pas une garantie excellente. Adam a perdu la domination, la royauté. Adam a l'hypothèse au falme na mamlaka. Et il a accordé à Lucifer d'être prince de ce monde. Akapatia huyo ibilisi huku katika ulimwengu huyu. Et Lucifer est devenu prince. Na huyo akaonekana mwana wa mfalme huyo ibilisi. C'est pourquoi Jésus dit le prince de ce monde vient. Ndio maana anakuambia mwana wa mfalme ulimwengu atakuja. Il n'a guère contre moi. Ana upendo ndani mwangu. Je ne garde pas les histoires de Lucifer dans moi. C'est Sina... péché. Hakuna kitu yake ndani mwangu. Et qui me condamnera du péché? Na nena atanihukumu kwa dhambi. Je suis une personne. Hakuna. Bien aimé dans le Seigneur. Tukatika Bwana. Comme il est le garant. Kama ni yangu mchungaji. De la nouvelle alliance. Wagano mpya. Adam avait vendu son droit de naissance. Nani Adamu akauzisha ukuu wake wa kwanza. Adam avait vendu son droit de naissance. Adamu akauzisha ukuu wake. Et puis comme il est vendu. Na kama aliuzisha. Nous étions aussi vendus derrière Adam. Na shia wakatuzisha huko. Nous étions vendus. Wakatuzisha kabisa. Au péché. Kwa kwenye zambi. C'est comme ça que. Ndio kama na. On va nous lire. Watatusomea. Bien aimé dans le Seigneur. Esaïe 8:19. Isaya 8:19. Esaïe 8:19. On nous lit Esaïe 8:19. Avant que je n'arrive dans des rois 1 à 3. Si on vous dit, wakiwaambia, consultez ceux qui invoquent les morts. Uangalia wale wamemita wamemita wafu. Homme de Dieu, restez un peu debout. Ici aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consultent et les gens qui invoquent les morts. Loko na watu wamenona wala watu ambao wakiangalia wakiita wafu, wakiongea na wafu. Il y a des gens qui voient même leurs parents mourir, venir leur parler pendant la nuit. Kuna watu wanaona wa ndugu zao ambao walikufa wakiwaongelesha usiku. C'est diabolique. Ni ulozi. La Bible dit nous n'avons pas de relation avec ceux qui sont morts. Quand la devin avait fait appeler l'esprit de Samuel, Samuel l'a réprimandé. Samuel n'osez pas me tourmenter. Parce que nous n'avons pas de relation avec ceux qui sont morts. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, Lazare. Le riche avait dit, il va dire aux gens qui sont restés sur la terre qu'ils puissent
se repentir. On leur dit aux riches, il y a Moïse là-bas, les autres prophètes. Alors, bien aimé, nous n'avons pas de relation avec ceux qui sont morts. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, dit Jésus. Dieu est le Dieu des vivants. Si tu vois un esprit de mort venir te parler, il faut combattre ça. Tu as une alliance spirituelle avec tes parents. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Tu as une alliance spirituelle avec tes parents. Alors il faut faire des prières d'autorité pour chasser l'esprit de visitation pendant le sommeil. Parce que bien aimé dans le Seigneur, l'esprit quand il devient esprit, il a la capacité d'avoir une longueur de vision plus que nous le vivons. Parce que les astrologues ont vu l'étoile du Messie. Donc le diable sait même préparer quelqu'un avant qu'il n'arrive au pouvoir. Donc, bien aimé, il ne faut pas penser que nous pouvons blaguer avec le monde des ténèbres. C'est un monde de quelqu'un qui avait, la Bible dit, il était lumière. Il est descendu avec toute la lumière. C'est-à-dire il a la capacité de voir. Il a la capacité de pénétrer ton aura. Ton étoile. Et tes lits. Allez-y. Et ceux qui prédisent. Ah. Ceux qui prédisent l'avenir. Aujourd'hui, Léo, comme Adam était perdu, les gens ont peur de, ils se questionnent sur l'avenir. Les gens ont peur de l'avenir. Les gens ont peur du lendemain. Parce que les choses vont de mal en pire. Beaucoup de chômage. Beaucoup de difficultés. Mais l'Éternel dit à Esaïe, mais dire à ce peuple, si un occultiste vient vous dire, consultez ceux qui prédisent l'avenir ou ceux qui font des sifflements dans les maisons des devins des marabouts. Allez-y. Répondez. Il va avoir une réponse. Atapatajibu. Répondez à ces gens. Wachibiaivi. Est-ce que le peuple consultera pas-t-il leur Dieu? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, beaucoup ont déjà abandonné la foi. Wengo meacha imani. Tu courais bien. Qui a arrêté ta course? Non, c'est la souffrance du monde présent. Tu commences à aller chez les marabouts. Tu commences à mettre les histoires à la lance. Il y a les amulettes ici. Oh, la protection de la famille. Faites attention. Même ces histoires qu'on porte aujourd'hui, ce sont les histoires des Kabbalah juifs. Les histoires des Maasai. Voilà. Ce sont des choses qu'il faut laisser. Ce sont des histoires des cabales juives, la magie qu'on a répandue dans le monde aujourd'hui. Et les gens sont en train de porter des histoires ici. Nous vous informons que ce sont des choses mystiques. Et c'est pour que vous ne puissiez pas croître spirituellement. Parce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. C'est un serpent qui se mord la queue. Les serpents, Nyoka, c'est mort la queue. C'est ce que vous portez ici. Et vous ne volerez pas dans la vie chrétienne facilement. Vous allez voler quelque part, vous rentrez encore. Il y a l'esprit de rétrograde dans ça. Mettez comme ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Bien-aimé. Quand vous venez au chantier de l'Éternel, il faut que Dieu vous révèle tout ce que le diable fait. Si on vous dit d'aller consulter ces gens-là, le peuple de l'Alliance, répondez à ces gens. Le peuple ne consultera pas son Dieu. Mets les mains dans le Seigneur. Le diable dit les réalités.
Shetani ni vitu ambavyo vinaonekana. Mais c'est lui qui nous dit la vérité. Natuambia ukweli. C'est notre Seigneur Jésus. Bwana Mungu wetu. Car la Bible dit. Bila natuambia. Si le fils vous affranchit. Kama Yesu amewaokoa. Vous serez réellement libre. Mutakuwa huru. C'est lui qui peut te rendre libre. Ndio matakuweka huru. Ce n'est pas les sorciers, les marabouts. Shetani. Les féticheurs, les guérisseurs. C'est lui qui te rendra libre. Mutakuwa huru. Invoque l'Éternel. Isa Yesu. Il te rendra libre. Atakuonesha. Gloire au Seigneur Jésus. Fa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Il va couper tous les liens de la famille. Atakata yote. Il y a les hôtels qui te réclament. Kuna kwa hiyo masaba mko kikuomba. Viens me donner Seigneur. Nduka tika Bwana. Le plus grand moyen que le diable utilise pour amener les démons géants dans la vie. Njia ya kwanza ambayo shetani ametia kuingia mapepo makubwa makubwa. C'est la sexualité. Ni njia hiyo ya kitendo cha ndoa. Les démons j'ai qui est tenté pour vous ne quitte pas. Wale watu wakija kupitia watoke kabisa kwa urahisi. Voyez dans Genèse 6. Angalia hiyo Mwanzo sura 6. Quand les anges de Dieu sont descendus. Wakati malaika walikuwa wakishuka. Ils n'ont pas cherché les hommes. Sio wanaume. Ils allaient chercher les filles. Walitafuta washiri. Parce qu'à cette époque là. Kwa hiyo wakati. Les filles des hommes étaient belles. Comme aujourd'hui. Kama leo. Avec les produits cosmétiques. Hiyo mafuta. Les filles des hommes sont devenues belles. Wanawake wanakuwa warembo kabisa. Il y a les démons des océans. Kuna kwa hiyo machini ya bahari. Wabukuta kutunia. Possédant les filles avec l'esprit de Jézabel. Wakiona watana hiyo esprit ya Jézabel. Et les envoyant dans les églises. Na wakatuma kanisani. Pour séduire la maison du Seigneur. Wakifutia watu. Je dis si tu es possédé. Kama una si tu es avec l'esprit de séduction. Kama kuna hiyo roho. Que tu tombes dans l'église. Kwa china la Yesu. Que tu sois libéré. Au nom de Jésus. Uwe huru siku ya leo. Ce sont des gens terribles pour séduire l'église. Ni watu kabisa kabisa jutu ya kufutia kanisani. Ils s'habillent de la manière du monde. Wanavaa kama vile ulimwengu. Parce que la crainte de Dieu n'est pas. Kwa kuwa woga wa Mungu haiko ndani mwao. Ils ont une mission de faire crouler les géants dans la. Wanakuwa na hiyo shida kuangusha watu. Vers les sexes que les géants arrivent. Ni kupitia hiyo njia nyuma na wale mashujaa wanakuja. On a dit que on a eu des géants à l'époque. Kulikuwa mashujaa wakati. À l'époque il y avait des géants, des races de géants, des anaki. Kulikuwa taifa ya mashujaa. Les Néphilim. Oui. C'est à travers cette race-là. Ni kupitia hiyo taifa. Et cet enfant hybride. Wala mtu mchangilio. Commencez maintenant à enseigner les gens la religion. Wakala fundisha watu dini. Le monisme, les mormons, les roses quoi, prima crue, ikanka, franc-maçonnerie, tout ça. C'est cette race-là. Ni hiyo taifa. Qui disait que si tu fermes les yeux, tu peux être aux États-Unis maintenant. Ndio ukifunga tu macho unaruka Marekani. Tu peux arriver même si tu es là. C'est que nous voyons beaucoup de pasteurs commencent à prêcher à la chair. Tu n'as pas entendu ma pasteur qui finit chez lui. Dis-moi, j'ai la capacité d'aller aux États-Unis, je suis ici. Nous l'avons dit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Toi, pasteur, tu peux fermer les yeux et arriver aux États-Unis. Ça, c'est Sonic à foutre qui nous dit. Est-ce que comment tu peux fermer les yeux directement? Gloire au Seigneur avec Bac. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi bien. Ce sont des gens qui sont déjà dans l'église. Ils prédisent l'avenir. On prend les conjonctivites des chiens, on place dans les yeux avec des fétiches. On commence à voir comme les chiens voient les esprits. C'est pourquoi. Viens le ce qui peut t'aider dans la vie chrétienne. C'est la sanctification. Je dis bien, c'est la sanctification. Crains Dieu. Ogopa Mungu. Crains. Ogopa. On peut te prophétiser, te donner des prophéties. Tu peux mourir sans même arriver à ces prophéties-là. Watakwambia maunabino utakufa na yafika. Peut-être tu ne toucheras pas ces prophéties. Utabisema na utabigusa. Mais celui qui marche dans la parole du Seigneur. Il est comme un arbre planté auprès de courants d'eau. Il doit produire les fruits à chaque saison. Et ces fruits ne flétrissent jamais. Parce qu'il est dans la parole de Dieu. C'est lui qui est soutenu par Dieu. Il tombera à ses côtés. Il mira à sa droite. Sa prophétie ne par la foi en Christ. Il dit mon juste est vivant par la foi. Coupitia, il m'a dit que la boîte n'a pas quoi qu'il est là. Seulement s'il se retire. Après, Dieu m'a dit de prendre la portion de lui. Amen. N'allez pas là-bas chez les marabouts. Si tu commences à voir quelqu'un qui te dit, allez d'abord considérer parce que Maïs est déjà Kusumbu, on a quoi? On a tout à coup fait un bateau. Est-ce qu'un peuple ne consultera pas son Dieu?
Si quelqu'un te disait d'aller consulter les marabouts, ne parle et le courage de lui dire, un peuple doit consulter son Dieu. Il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te révéler tous les blocages qui te limitent dans la vie. Parce que l'alliance de Dieu est venue pour nous avancer dans la vie. Parce qu'il y a des bénédictions qui avancent le pas. Et ces bénédictions ajoute à nous l'assurance dans le Seigneur. Parce que nous y croyons. Que Dieu n'est pas un menteur. Baba, si il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se répandir. Ce qu'il dit, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Il dit à Habakkuk, si la prophétie traîne, je dis à quelqu'un qui a l'alliance de Dieu, que le diable envoie déjà pour le faire étouffer. Si la prophétie à ta vie traîne, attends-la. Elle parcourt son temps, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Ça s'accomplira. Itatimilika. Garde l'alliance. Weka agano. Un peuple ne gardera pas l'alliance. Taifa ta weka agano. Oh, banduku yangu. Peut-être ton papa fait des alliances. Si tous les alliances des parents sont tellement héréditaires et distants. Parfois le papa avait contracté une alliance. Baba lifanya agano. Lamentation 5:7. Lamentation 5:7. Maombolezo ya Lamentation 5:7. Tano. Nous allons lire et puis nous entrons. Parlons un peu de ce que le diable nous étions vendus au diable, après nous allons toucher notre quiétude. De Dieu et l'amour de Josias, comme il a renouvelé l'alliance à Dieu. Bien-aimé, lisez Lamentation 5:7. Lisez un peu bien, mon frère. Le microphone est en train de vibrer. Ont péché. Ah, ton papa avait péché pour Baba, aller chercher quoi? La prospérité. Baba la quoi zami parce qu'il avait échoué dans la vie, il est allé contracter un marabout. Il est entré dans l'essence philosophique. Et il a contracté les moyens par les mystiques. Ton papa avait péché. Écoutez, ils ne sont plus là. Peut-être ils sont morts. Et c'est toi qui portes la peine de ce que ton père avait fait. Gloire à Jésus-Christ. C'est nous qui portons maintenant la peine de leur iniquité. Merci, homme de Dieu. Ton papa avait péché. Il est allé chercher les mystiques pour évoluer dans la vie. Effectivement, nous le voyons dans la ville. Il est dans des prados. Il est dans des glaciers. Il a pensé que c'est ça le royaume des cieux. Oh, le diable, quand il lui donne, il ne te dira pas la conséquence. Comme j'ai vu une femme qui avait pris les porte-monnaies magiques qui lui produisaient d'argent. Mais on ne lui avait pas dit la conséquence. Maintenant un jour, on va lui dire que nous avons besoin maintenant de ton enfant que tu as mis au monde. Parce que les gens qui t'amènent l'argent dans les porte-monnaies magiques, les esprits qui étaient morts là, ils sont fatigués. Toi aussi tu dois amener ton enfant qui commence à venir te donner l'argent dans les porte-monnaies magiques. Et ça se passe comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, elle a dit non. Prenez votre argent. Et elle est restée en train de dire prenez votre argent. C'est comme ça la folie. Kamata makuta. C'est comme ça que la folie a commencé. L'enfant est resté. Tout à la maman est sacrifiée. Mais c'est l'enfant qui portera la peine
de tout ce que la maman. Mama nakufa lakini mtu anabaki na mzigo ya mama yake. Est-ce que vous comprenez? Mnanisikia. C'est-à-dire il y a des gens ici. Kuna watu hapa. Leur vie est limitée. Mashida kwa iki na mpaka. Il n'avance plus dans la vie. Une opportunité veut venir. Tu m'écoutes? Mais un blocage arrive. Une opportunité arrive. Mais la maladie entre. C'est comme un pasteur qui me disait. Pasteur, à peine que je viens d'être nommé grand chef. Je deviens quelqu'un qui ne peut pas manger la viande rouge. À quoi maintenant l'argent que j'ai? Il dit si tu as coupé nyama, nyama. Il avait les gouttes neutres. Nous sommes avec lui comme ça. Il me dit, mon frère, à peine je deviens grand responsable. Il a quoi tout chef au niveau de la CENI nationale. CENI, bien-aimé, le pasteur Fofana. Fofana. Mon épouse aussi connaît, il mangeait aussi chez moi. Il dit, il venait à Bukavu ici pour organiser les histoires de CENI. Il dit, à peine maintenant, je deviens grand chef au niveau des CENI nationales. Chef ou Kinshasa. Et, Baba Yang, Nyama Zitako, Lume Anjoyi, Nyumba Nikona Cheng, le facteur Nyama, va suspendre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vois ces choses-là? On en a vu tout. Il y a des gens qui mangent les histoires là, il y a OEC. Vous connaissez ça? Pour garantir leur argent, il doit prendre un le matin. Donc, c'est pourquoi ces gens-là, vous allez voir, il a les enfants à la maison, il ne leur donne pas l'argent. Parce que, l'interdit, il ne faut pas aider la famille. Alors, vous allez voir, il est riche, mais sa femme ne monte pas dans son véhicule. Vous allez voir une chambre qu'on a laissée libre, c'est là où il invoque dans les cercueils. Les habits rouges. Vous allez voir qu'il prospère. À part, il prospère. Vous allez voir, il a des enfants extorqués. Il a vendu ses enfants-là pour être riche. Il a pas ce sont des choses qui se retrouvent ici. Il a vendu un enfant. L'enfant reste expié. Et lui devient riche. Et de vous dire, les parents Wazazi a contracté des pactes dans le monde des ténèbres. Mais ce sont les enfants qui en pâtissent. Vous allez voir ça. Ils ont les moyens. Mais les filles ne marient pas. Wadada wa ce sont les belles filles dans l'ange noir. Elle n'a pas besoin de se marier parce que l'hôtel qui la réclame dans l'esprit de célibat bouge toujours chaque jour. Et je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est plus que ça ton tel. C'est l'hôtel de Golgotha où Jésus a tout payé. Même si tu as été vendu, je proclame ton jubilé. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te conduise. Que le Seigneur te sauve. À travers l'alliance du sang de notre Seigneur Jésus Christ. Tu es limité. On a quoi un pas se condamner. À peine que tu veux entrer comme Moïse voulait entrer à Cana, on lui dit « Aote ingi aten ». C'est comme on a dit à Moïse, tu ne vas plus entrer à Cana. Aote ingi. Tu ne vas pas entrer. Parce que tu as frappé. Quoi les piga. Il voulait de parler au rocher. Il toi tu as frappé le rocher. Quoi les piga par le on te dit de parler pour que le sorte. Toi tu frappes le rocher. Pendant que le on a piga. Alors toi tu n'entreras pas. Ou aote ingi. Ce que Moïse a fait, il n'est pas entré à Cana. C'est comme ça que beaucoup de parents, ils sont péchés. Ils n'entrent pas dans leur bénédiction. Ils meurent. Bien aimé, mais les enfants en pâtissent. Parce que la malédiction de Sassir, première jusqu'à la quatrième génération. Mais la bénédiction de l'éternel jusqu'à au millième génération. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a ramené dans une bénédiction de millénium. De mille ans. Il faut que tu aies dans cette bénédiction-là. Que Dieu aille la bénédiction centuple dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que tu aies la bénédiction centuple. Ou pas tu es barré comme les Katsikabouan. Bien aimé dans le Seigneur. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ah oui, quoi. Mais nous nous portons. La kinisisi. Nous portons quoi? Tunabeba. Tout ce qu'ils ont fait comme iniquité. Yara moi, les Zambi. Esaïe 65, 7, on nous lit ça.
Ésaïe 65:7. Ésaïe 65:7. Les crimes, dit l'Éternel. Comme ma cousine a c'est ma bonne. Les crimes de mon père. Comme ma cousine ils ont brûlé des nations. Amour, on l'ouvre sur milima. Amour, on l'écoise sur une milima. Nitawafanyia kipimo ya makosa yao ya zamani. Sasa sale sale. Iyo ni kipimo. Les baraki yo contracté le monde de ténèbres. Ya wazaza mwa waliongea na ulimwengu wa giza. Ili wapate kupata pesa. Ils ont des montagnes de famille. Wanakuwa na hiyo milima. Ils ont des hôtels de collines de famille. Wanakuwa na masabu ya jamaa. Ils sacrifient des familles. Wakati wametoa jamaa. Je dis à quelqu'un. Naambia umoja. Le salaire. Iyo pesa. Que nos parents ont le Seigneur les a infligés. Je dis à quelqu'un que ce salaire-là, ce malheur, n'arrivera pas chez toi. Ça doit stopper à travers ta génération ce mauvais salaire. Parce que la Bible dit ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Ce n'est pas toi qui moissonnera ce que ton père avait semé. J'ai dit à quelqu'un qui ne moissonnera pas ce que ton père a semé. La Bible nous dit, nos parents ont mangé des raisins verts. Mais c'est nous les enfants dont les dents sont agacées. Mais je dis à quelqu'un, si ton père a mangé les histoires de Lucifer, les histoires de Satan, les dents ne seront pas agacées. Parce que tu es lavé dans le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce je coupe les liens. Parlez, dis je coupe les liens de la famille. Je coupe les liens de famille. Je coupe les liens de ma famille. Je coupe les liens de ma famille. Je coupe les liens de ma famille. Je coupe les liens de la famille de ma mère. De ma mère. De la famille de mon père. De mon père. Je coupe ces choses. Je coupe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Gloire au Seigneur Jésus Christ. Si ils ont mangé, comment les raisins verts. Et que leurs dents sont agacées. C'est pour eux-mêmes. Ça le sera pour nous. Parce que nous sommes une génération, une nouvelle alliance qui a la capacité de découvrir les péchés, mais de ôter la racine du péché, ses conséquences. Gloire au Seigneur Jésus. D'ôter le péché avec toutes ses conséquences. Et qui touche à Zambi, yote na matokio yayo. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, kwa kichi ya nyanyoka nange, sur toute puissance de l'ennemi, vitu vyote vya shetani, sur toute puissance de l'ennemi, mamlaka toute za adui zenu, rien hakuna kitu ne pourra vous nuire. Aita wa shida. C'est comme ça que lorsque Paul a gagné l'île de Malte, wakati nyuma na Paul alipokonye kisanga cha Malte, wakati kwa katika mioto wenye vita, le feu pour alikuwa akitafuta miti kwa ajili ya kuosha moto. Les barbares ont dit, cet homme après avoir été sauvé de ces grands naufrages, regardez la justice de Dieu ne l'a pas abandonné. C'est-à-dire qu'il a péché, il va mourir. Ce n'est pas ça. Il est comme l'aveugle né de naissance. On a dit, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché que la conséquence est sur l'enfant? Jésus dit, ce n'est pas le péché des parents. Ça, c'est pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Il y a des histoires qui ne nous élèvent pas parce que nos parents, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit connu. C'est pour la gloire de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Allons-y. Nous sommes en train de partir molo-molo. Bien-aimé, il y a des rituels qui t'ont bloqué. Peut-être on a jeté des œufs dans l'eau. Peut-être vous avez, maman a accouché à travers les aiguilles, les histoires qu'on met ici, comme des aiguilles, comme ça, sont des choses mystiques, magiques. Si vous avez maman, mais ça, vous pouvez vous faire un vichanjo. Vous allez voir les aiguilles.
Il y a un démon qui est dans ton ventre. Parce que maman, il faut valer, il est qui toi tu usales. Maman, on parle là, il est ici, tu usales. Voilà, si fait ça. Si par la bonne, il m'a démon. Il y a ni ma pepo. L'esprit de sirène, il est le mazegi. Il y a ni ma mamba. Maman, il coupe pas kumai. Maman, il coupe pas kumai. L'esprit de sirène des eaux entre dans votre ventre. Rosa, mamba, mutu. Alors, il faut chasser ces déesses dans votre. Il faut qu'il y a fuku zambali. Pour que l'enfant soit libre. Il m'en a mal à couler. Voilà, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus notre Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes attisés avec des rituels. Qui étaient passés au temps. Les cérémonies on a fait sur toi. Il faut cesser la prière. Tout est possible à celui qui croit. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver. C'est toi qui es incrédule. L'Éternel est prêt pour te sauver. Gloire au Seigneur Jésus Christ. Gloire à Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des liens parentaux qui te lient. Jusqu'aujourd'hui tu n'as pas la paix, tu ne dors pas bien. Mais sachez que Dieu t'aime. Alors, Jérémie 31, verset 29. Jérémie 31, verset 29. Oh, Jésus. Jérémie 31, verset 29. Jérémie 31, 29. Ça va? Ok. En ce jour-là, on ne dira plus. Awata se matena. Les pères ont mangé les réserves. Ou alors, ils ont la misabibou. Ah. Bien aimé. Donc, il y a ce jour-là. Le jour que Jésus-Christ viendra. Il lui va dire. Atasema. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont Seigneur Jésus. Akuna tena maukum kwa lomo katika Christo. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, katika Bwana. Parce qu'il viendra à la délivrance. Atakuja kiokoa. Il doit sanctifier ton corps. Ton âme royako, et ton esprit. Yako na nafsi yako. Il ne sera pas esclave du péché. Tena parce que le rédempteur lui-même viendra lui-même. Kwa ye peke il mara, te sauvera dans le péché. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur. Pour à ces gens-ci. Que l'Éternel convoque une assemblée. Bwana lete ma, kusale watu wake. Il dit à Josias. Anambia Yosia. Il dit ce peuple. Awa watu. Jita. Yuda a fait l'alliance avec moi. Mais Judas fait entrer l'idolâtrie à Jérusalem. Judas se prostitue. Il doit aller vers d'autres dieux, les idoles. Se prostituer. Parce que la Bible dit ton époux, c'est ton créateur. Et lorsqu'il te donne son alliance, lorsque tu vas vers d'autres dieux, les idoles, tu te prostitues. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Il dit que Alasema, Josias Yoshia va encore remettre l'ordre dans mon temple. Tena, parce qu'Israël se prostitue. Josias a convoqué les assemblées, les prophètes, les sacrificateurs et tous les anciens. Josias Yoshia a remis les choses en ordre et il a placé l'alliance et l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, pour que les gens fassent l'engagement encore une fois devant cette alliance que Moïse avait contracté à Horeb. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il faut que nous puissions renouveler notre alliance avec Dieu. Parce que ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, Léo, il n'y a pas la gloire de Dieu dans toi. Lâche ta quitté. Est parti chez les Philistins. Lâche l'alliance de Dieu. Mais tu es resté seul. Sans lâcher Dieu. Il faut que tu lâches Dieu revient. Il n'a pas choisi. Parce que là
là se part, là se fait les dégâts. Et là se bénit. Mais les gens qui sont censés gérer l'arche, c'est toi qui as fait alliance avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, renouvelle ta confiance à l'Éternel. Renouvelle l'alliance avec Dieu. L'engagement que tu as pris avec serment, avec vœu, par les signes de la croix du Seigneur, par le sang du Christ, renouvelle ton alliance à l'Éternel et tu verras les choses marcher dans ta vie. Je sais que le fondement est renversé dans ta vie. Que fera le juste quand le fondement est renversé? Tu dois remettre le fondement. Remettez la parole du Seigneur en marche. Et il sera avec toi. Et tu verras le Seigneur restaurer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Je sais que tu passes les soirs de ta vie. C'est parce que tu as abandonné le premier amour. Parce que tu as abandonné la parole du Seigneur. Tu deviens comme Turki. Toi qui étais Éphèse avec le chandelier. Aujourd'hui, il n'y a pas de chandelier. Il y aura une forte inondation qui va entrer dans ta vie. Mais ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, que tu sois sauvé. Que la main de l'Éternel t'aide. Que le Seigneur te restaure. Lèvons-nous pour prier. Nous allons demander le secours de l'Éternel. Nous allons demander le secours de l'Éternel pour une minute. On ne peut pas laisser passer cette parole de Dieu sans prier. Oh, bien-aimé, lève-toi là où tu es. On n'a pas dit ça, on allait laisser quelques temps, quelques questions pour quelques édifications. On allait laisser quelques minutes de questions pour que vous puissiez encore renforcer la foi par rapport à ce que vous avez écouté. Si tout dans le combat des familles, tu peux poser des questions, ça va t'aider. Alors, on peut s'étendre encore davantage. Fermez les yeux, nous allons prier. Et moi, tu te remets. On le chante, mais on dit, venez du ciel. Alléluia.